L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, est vivement préoccupée par la situation dans la région du Kazaï, en République démocratique du Congo, RDC, où l'instabilité persistante menace la sécurité des civils, y compris pour plusieurs centaines de réfugiés récemment rentrés d'Angola. Les forces gouvernementales congolaises ont repris le contrôle d'une grande partie du Kazaï, mais des combats sporadiques s'y déroulent encore entre les forces armées et des milices a déclaré mardi une porte-parole du HCR, Ekaterini Kitidi, lors d'un point de presse à Genève, ajoutant que de fortes tensions entre les différents groupes ethniques menacent parallèlement de plonger cette région dans une nouvelle spirale de violence. Selon les employés du HCR à Chikapa, une ville située à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec l'Angola, des déplacés internes ainsi que des personnes de retour d'Angola, ne peuvent pas retourner dans leur village d'origine en raison des tensions interethniques. En février 2018, ces tensions interethniques ont généré plus de 11 000 déplacés qui ont dû rejoindre le nord de la région, dans le territoire de Moeka. Il s'ajoute aux 900 000 Congolais devenus des déplacés internes depuis l'éruption de la crise au Kazaï en 2016. Le conflit du Kazaï a également forcé plus de 35 000 Congolais à fuir en Angola en quête de sécurité. Depuis septembre 2017, certains sont rentrés spontanément en RDC, pour découvrir qu'il leur est impossible de rejoindre leur village d'origine. À ce jour, beaucoup d'entre eux vivent dans des églises et des mosquées, tandis que d'autres ont été forcés de rejoindre d'autres provinces, a expliqué la porte-parole. L'aide aux rapatriés pour reconstruire leur maison est limitée, car le financement humanitaire ne permet pas actuellement de mener un programme de reconstruction. Seul 1% des 368,7 millions de dollars demandés dans l'appel de fonds 2018 lancé par le HCR afin de venir en aide aux personnes affectées par la crise en RDC a été perçu à ce jour. Parmi les réfugiés congolais en Angola, beaucoup disent qu'ils ne souhaitent pas retourner actuellement dans leur région d'origine, en raison de l'instabilité. Le HCR estime également que des retours sûrs, durables et dignes ne sont pas possibles, tant que la paix et la sécurité ne sont pas rétablis. Le HCR a donc appris avec une vive inquiétude, il y a quelques jours, l'expulsion de 530 Congolais depuis l'Angola vers la RDC entre le 25 et le 27 février. Les retours se sont déroulés malgré les demandes réitérées par le HCR aux autorités angolaises de procéder à un examen conjoint de la situation du groupe non enregistré en matière d'asile. Le HCR exhorte les autorités angolaises à cesser les refoulements de Congolais vers leur pays d'origine. En cas d'amélioration de la situation en RDC, le HCR se tient prêt à apporter son appui aux autorités de RDC et de l'Angola dans leur discussion sur le rapatriement librement consenti, a conclu Ekaterini Kitidi.